Bonjour, je m'appelle Mathieu Dardaillon, je suis cofondateur de Ticket for Change. Nous formons des acteurs de changement pour un monde meilleur. J'ai la chance d'être invité ici en observateur pour le congrès international de Fondatio. C'est une semaine très intense et très inspirante par les projets qu'on découvre, les immersions terrain, par les discussions qui sont faites sur à la fois le bilan des 5 dernières années qui est fait, les discussions d'organisation pour mieux s'organiser en interne, et puis la projection des 5 prochaines années. C'est très intéressant pour moi de mieux découvrir la communauté, les projets de l'intérieur. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que Fondatio peut déployer tout son potentiel, sa spiritualité en action, tout son potentiel au service des grands enjeux sociaux, environnementaux de notre temps, pour avoir plus d'impact en action pour le monde. Déjà, ce qui me frappe, c'est une immense diversité internationale. Il y a 20 pays qui sont représentés, avec énormément de projets dans chacun de ces pays. Donc il y a une très grande richesse. C'est aussi un défi pour bien se comprendre et avoir un but commun. Je pense que c'est un des grands défis, d'arriver à construire un objectif et une projection commune tous ensemble. Ici, on a vu des projets extrêmement inspirants, extrêmement concrets, sur l'agroécologie, sur les énergies, sur la formation des jeunes, sur l'insertion professionnelle. Très concret et vraiment avec un magnifique impact. Après, je trouve le défi, c'est comment est-ce que soit on multiplie des projets comme ça à grande échelle, soit ces projets ils arrivent à avoir une taille pour avoir un impact systémique aussi sur les grands enjeux sociaux et environnementaux. Merci pour l'invitation. Pour moi, ça me permet de mieux connaître Fondatio, que dont j'ai beaucoup entendu parler, et puis j'ai eu quelques échanges avec différents membres à différents moments, mais je n'avais jamais vécu de l'intérieur. Donc ça me permet de mieux connaître la communauté, les intentions, la vocation